avec beaucoup de regrets la sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse, traitant les couples des occultistes, n'ayant pas une spiritualité concernant. Moïse, toi tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant de Dieu. Que ce monsieur est. Vraiment toi? Hein? C'est on t'a ouvert sa maison. Tu y allais m'étendu demandant de l'aide. Même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette main qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Majab. Pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît? Pour ce qui est de moi et Peignel, Majab a fait quoi? Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche, à droite? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je pense que tu m'aurais présenté au couple Bondo et voilà. Et quelqu'un m'a même dit non, on l'a présenté parce qu'il était indisponible. Il a dit, j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, Mike Kalambay, on peut me présenter à Kinshasa comme un ami qui chante aussi bien. Vraiment? Vous croyez ça? Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo, à Kinshasa précisément, qui ne connaît pas Mike Kalambay, pour être présenté? J'ai aussi un autre ami qui chante aussi. Pensez-vous que c'est juste? Et le jour où je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière, quand ils se sont mariés, Bakotana, Ezali, Kambangolo, c'est quoi cette histoire? Et aujourd'hui même, qu'on s'en prend à Majabou. Moi, je ne suis plus dans Majabou. Je suis parti de Majabou. J'ai déposé. Quoi de normal que de laisser cette structure évoluer calmement et comme il se doit? Où est le problème? Où est le problème, s'il vous plaît? Bon, les Ndumba, les tout ça, oui, à suppos- oui, je l'accepte, par exemple. Mais c'est quoi ça? On doit suivre les Ndumba partout comme ça? Moi, je ne t'ai jamais suivi. C'est une page mais vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus sales. Oh là là, les amis.